expérience vraiment très intéressante de collaborer avec Goethe. Déjà, donc, on a eu accès à vraiment des enfants de milieux divers, je dirais, et puis qui justement ne sont pas forcément de Dakar. Donc il y avait des personnes qui venaient de Rufisque, de Dakar et même quelques-uns d'autres environs. Et en fait, dans ce genre de formation, on est toujours étonné en fait des produits qui sont présentés. Il y a toujours beaucoup de surprises et en général, c'est des bonnes surprises parce qu'on voit que en fait, les élèves font plus que ce qu'on attendait en fait. Et c'est toujours ça qui est enrichissant en tant que la personne qui a enseigné et puis organisé la formation. En fait, c'est de voir ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. La biodiversité représente tout ce qui vit sur Terre. C'est le fruit de milliards d'années d'évolution, modelée par des procédés naturels et de plus en plus influencée par l'espèce humaine. La présentation que je viens de faire, qui est axée un peu sur la conservation de la biodiversité à travers le réseau d'air protégé que gère la direction des parcs nationaux. Donc j'ai un peu abordé, un peu essentiellement focus sur les espèces menacées, donc les espèces de faune et de flore menacées au niveau du Sénégal et les mesures de gestion qui sont entreprises par l'État du Sénégal à travers la direction des parcs nationaux, mais aussi les aspects liés aux conventions internationales et aux codes, un peu pour la protection de ces espèces-là. Grossièrement, on a un peu parlé de tout ça. L'environnement au Sénégal, il y a des avancées notoires parce qu'il y a plus de sensibilité. Donc il y a beaucoup de sensibilisation, les gens sont beaucoup plus conscients sur certaines zones et à des niveaux divers, il faut le noter. Il reste quand même beaucoup de choses à faire, il y a énormément de choses à faire. Donc comme on a pu le constater, souvent les gens ne vont pas visiter les aires protégées. Donc il y a cette déconnexion entre le citoyen lambda de tout ce qui est conservation in situ, de conservation de la biodiversité. Donc ils ne sont pas trop fréquentés. Donc en voyant nos statistiques de visiteurs au niveau des aires protégées, que sont les parcs et les réserves, on voit peu de nationaux qui visitent nos aires protégées. De nos jours, la population est très peu sensibilisée sur ce phénomène-là. Comme par exemple, la plante nous procure de l'oxygène. Nous, on a choisi plus précisément les ressources naturelles, surtout le reboisement, le système de reboisement au Sénégal. Et franchement, nous remercions nos encadreurs et leurs assistants pour nous avoir aidés à faire ce projet-là. Information sur le reboisement au Sénégal. Et pour là-dessus, nous avons un bouton qui nous amène au 3 et 4 ans. C'est la vie et que l'environnement, c'est la vie. Et puis, ressources naturelles, c'est un terme très vaste. Nous allons vous présenter un diaporama sur le titre de Bernadette. Alors, avec mon groupe, on a choisi de travailler sur le thème de la santé et de l'environnement. J'ai bien aimé cette formation puisque ça parle des applications et dans la nouvelle génération, les applications sont bien ancrées dans la société, on utilise ça tous les jours. Le fait que ça parle des applications m'a tout de suite motivée à venir ici. Et j'ai bien aimé, j'ai pas été déçue puisqu'on a réussi à créer une application pour sensibiliser la population sur la santé et l'environnement. L'utilisateur devra rentrer son nom et valider. Et puis là, les fonctionnalités sont là, les informations, jouets, classement, boîte à trophées, conseils à propos. Merci beaucoup. L'application s'appelle Nature. Nous avons travaillé sur le thème des espèces menacées et bon, ça n'a pas été très facile, mais notre application donne des informations sur les espèces menacées. Genre le colobe de l'ail, le colobe de baie, l'autruche à cou rouge, la tortue de lutte. Voici la page d'accueil, vers les 3 ans. Apprendre, jouer et quitter. Mener des actions éclairées pour une protection marine sanitaire. En changeant les couleurs qui s'effectuent, et lorsqu'ils s'effectuent, là,
ça veut dire qu'il est en période de reproduction. Là, c'est l'équipe qui se charge de la pêche. Mes impressions par rapport à cet atelier de 3 jours, ça a été vraiment un plaisir d'apprendre. D'autant plus que l'application porte d'abord de sa conception à la réalisation. Et je pense, comme l'adage dit, que là, on nous apprend beaucoup plus à pêcher que d'aller chercher toujours du poisson. Nous avons pris conscience que ce sont surtout les acteurs concernés. Parce que quand on parle de pêche, on parle de pêcheurs. Ensuite, nous avons trouvé les jeunes pêcheurs, c'est-à-dire nous, amateurs de pêche. Merci. L'application a pour nom Sénépollue, qui signifie c'est la pollution au Sénégal. Troisièmement, nous avons choisi comme slogan moins pollué pour mieux vivre. Et nous avons aussi appris à créer notre propre application via MIT App Inventor. De cette application, nous faisons des jeux de quiz permettant aux enfants de mieux connaître les conséquences, les causes et les solutions pour la pollution. Nous avons choisi comme utilisateur type les enfants du Sénégal. Comme vous le sachez, les enfants sont plus capables de capter les informations puisqu'ils sont la base de la société. C'est la première fois que je participe à une formation d'initiation à l'informatique. Et tout se passe très bien jusqu'à là. On a commencé notre travail en groupe hier matin. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord dans les designs et tout. Notre thème, c'est le recyclage des déchets. Et notre application s'appelle Or Dur, de l'or qui est dur. Recycler, c'est le meilleur moyen d'avoir un Sénégal émergent et propre. Je suis ravie d'avoir participé à cette belle initiative et je félicite d'ailleurs le Goethe Institute et son partenaire qui est M. Djangale. Au sortir de ce concours, on a eu des jeunes engagés, déterminés et très motivés. Et je pense que c'est ça, un Sénégal émergent, c'est avant tout des enfants. Parce qu'ils sont le futur de demain, ils doivent assurer la relève générationnelle. Donc vraiment, on a vu des jeunes engagés qui ont, en peu de temps, appris énormément de choses, qui ont fait de très belles présentations et qui sont conscients aujourd'hui de la valeur de la protection de l'environnement. Le jury vient de délibérer. Et tiens d'abord à faire remarquer que vous êtes tous aussi méritants les uns que les autres. Hein? La deuxième chose, c'est que vous avez fait preuve là, en tout cas moi, personnellement, si vous ne connaissez pas les applications, vous m'avez épaté. Mais le travail ne fait que commencer. Et donc, après délibération, nous avons jugé que le projet Or Dur était arrivé premier. Aborder le sujet de différents angles et j'ai pas du tout regardé à qui va gagner, quel est le meilleur projet, mais en fait l'équipe gagnante, je veux dire, ce qu'ils ont fait vraiment d'extraordinaire, ça a été surtout qu'ils étaient très innovateurs dans leur présentation. Nous pouvons donc avoir les applications sur notre téléphone Android.
Donc en fait, on peut les avoir dès aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est les mettre sur les pages Facebook. On peut avoir un QR code ou une URL pour aller télécharger les applications. Chaque application est téléchargeable, donc il n'y a aucun problème à ce niveau.